pour répondre à votre première question concernant pourquoi FR. Je connaissais le parti depuis sa création. Je connaissais même les fondateurs de ce parti avant même la révolution tunisienne, notamment Si Yassine Brahim, Si Hamoud Al-Ouzir, Rim Mahjoub et d'autres. Et je pense que j'ai une proximité au niveau des idées. Je ne suis pas en train de dire, bien sûr, que je suis 100% d'accord avec les idées d'FR. Je suis, je pense, un FR compatible, comme on dit actuellement, parce que nous partageons la même vision d'un État fort, d'un État régulateur, d'un État stratège, d'un État qui doit être fort dans les domaines dans lesquels il doit être fort, notamment l'éducation nationale, la santé publique, le transport, la défense nationale, l'enseignement supérieur, les affaires étrangères, la justice aussi. Donc tout ça pour dire que c'est pour ces deux raisons que j'ai rejoint aujourd'hui le parti FR Tunis. Maintenant, parce que je vois qu'il y a une bipolarisation de la vie politique tunisienne entre deux extrêmes qui se font un peu la guerre, qui ont peut-être basculé dans une certaine violence que nous ne voulons pas. J'ai vu aussi qu'au centre, beaucoup de partis sont en grande difficulté, les partis qui nous représentent. J'ai vu aussi que 70% des Tunisiens, quand ils sont sondés, ne savent pas pour qui ils vont voter. Et c'est pour cette raison que j'ai pris mon courage à deux mains avec d'autres amis et je me suis engagé dans cette nouvelle aventure politique. Rassembler, c'est expliquer, c'est avoir de la pédagogie, c'est conclure que éparpillé, on ne pourra pas gagner, que réunis, on pourra le faire. Éviter les égos surdimensionnés, éviter des blocages de cet ordre-là, avoir l'intelligence et aussi l'intelligence émotionnelle pour dépasser ces contraintes qui ont fait qu'on n'a pas pu finalement faire cette union du centre tunisien à laquelle je crois beaucoup.